Bien, merci à tous. OK, le micro. Allez-y. Donc, merci mes amis. Merci à Pauline Marois, une chef déterminée qui est venue faire campagne à mes côtés et qui n'a pas ménagé ses énergies. Merci à Romain. Merci à Romain Gagné, Florence Bolduc et à Daniel qui ont été des guides formidables et d'une générosité exemplaire. Merci aussi à Michel Roy, mon directeur de campagne, à Robert, Jean-Yves et Doris Chapados qui nous ont appuyés, ainsi que tous les autres que j'ai oublié de nommer. Bravo. Ce serait peut-être... Merci. Je veux aussi remercier les militants du Parti québécois qui ont été d'un dévouement exemplaire. Merci aussi à tous les députés qui sont venus nous donner un coup de main. On a beaucoup apprécié. Et un salut spécial à Pascal Bérubé de Matane qui est venu nous appuyer. Finalement, je veux remercier mes amis, mes étudiants, qui ont eu confiance en leur professeur et qui vont peut-être être heureux de le retrouver demain matin. Nous, on est moins contents, mais ça fait rien. Je remercie aussi ma famille, ma femme, mes deux garçons, Nicolas et Samuel, qui sont habitués à voir leur père, qui rentre souvent dans les projets un peu, j'en dirais pas plus. Bon. Donc, merci. Oui, merci beaucoup, Bruno. Je félicite aussi le candidat Damien Arsenault pour sa campagne. Je veux aussi... ça a été une bonne campagne, ça a été une très belle campagne. Il n'y a pas eu de coup bas. Je considère qu'il y a eu un niveau exceptionnel au niveau des échanges. Donc, je tiens à féliciter tous les candidats et la candidate Patricia Chartier qui a été performante. Je tiens aussi à remercier chaleureusement tous les Gaspésiens et les Gaspésiennes qui nous ont fait confiance. Donc, je suis fier de la campagne que j'ai menée. J'ai mis l'effort qu'il fallait. J'ai été sur le territoire. J'ai donné ce que j'avais à donner, puis le travail a été accompli. Au cours de ces quelques semaines, j'ai pris de l'expérience. Et je vous jure que c'est parti rapidement. J'étais à la bonne école avec Mme Marois, femme d'expérience, confiante et solide malgré la tempête. Cette femme m'a beaucoup appris et je vous en remercie, Mme Marois. Et comme vous vous en doutez, maintenant, je vais prendre un peu de repos. Mais demain, je vais retourner au travail et enseigner mon cours d'introduction à la sociologie à 8h10. Mais je tiens à vous dire que nous allons revenir. À la prochaine élection générale, je vais être là. Merci beaucoup. Je vais poursuivre le travail d'une manière, je dirais, pas acharnée, mais à tout le moins continue jusqu'au déclenchement des élections, consolider la base des militants, consolider notre approche, et vraiment, la prochaine sera la bonne. Nous allons gagner à la prochaine élection. Général. Merci beaucoup.